et oreilles attentives pour les 150 étudiants de licence 3 de droit. Ce lundi donne le top départ des cours, mais avant, place aux présentations. En rang, les professeurs attendent leur tour pour dévoiler le contenu de leurs cours. Pour Édouard Dubout, tout juste agrégé, c'est son premier poste à l'Université du Maine. Ce n'est donc pas sans une pointe de stress. Il y a toujours une appréhension. Tous les professeurs vous diront que même 20 ans après, il y a toujours une appréhension lors de la première prise de parole et même des suivantes. Et surtout quand on enseigne en L3, les étudiants finalement connaissent mieux la fac que vous, mais bon, je crois que ça s'est très bien passé. Côté étudiant, l'ambiance est plus décontractée. C'est déjà leur troisième rentrée à la faculté et après plusieurs mois de vacances, ils ne sont pas tous contents d'être de retour. On voit un peu de monde et puis les matières ont l'air intéressantes et on va essayer de réussir. Les vacances étaient trop courtes, mais bon, ça va. Ça change, on est plus confiant, on a fini le plus dur effet, donc ça va, il n'y a pas de souci. C'est aussi le jour des précisions. Entre les différentes inscriptions, tout n'est pas simple à comprendre, même après 2 ans d'université en poche. La preuve, le vice-doyen aussi s'y perd un peu. L'idée, c'est deux là. Non, alors une là. Et alors, attendez, oui, pardon, deux là, voilà. Et ensuite, vous avez le parcours. Cédez la place, excusez-moi. Il y a des matières qui changent, donc il faut toujours se renseigner un peu plus. Et chaque fois, on est obligé de poser des questions. Dernier moment de répit avant de prendre le chemin des amphithéâtres pour encore 8 mois.